Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un mini-run sur Bloodstained, Return of the Night. Voilà, très mal doublé. Ça promet pour les sagas MP3 ça. Et donc, alors pourquoi mini-run? Alors parce que je vais vous faire enfin une petite partie du début du jeu, vraiment une toute petite partie du début du jeu. Et voilà, c'est juste un test comme ça, c'est pour vous montrer un peu ma skill, comment j'ai un peu avancé le speedrun entre guillemets, voilà, le speedrun de Bloodstained, même si je n'ai même pas fini le jeu, mais voilà, j'ai déjà envie de refaire le début le plus vite possible. C'est beau. Et je me rends compte que là j'ai fait une partie là, du nom de Myriam, donc le nom de l'héroïne. Ah, je vais vous montrer ça. Alors on appuie sur Start. Un temps mélancolique avec un château lugubre en fond. C'est bon, on est bien dans du Castlevania. Bloodstained, bien sûr, évidemment. Un thème très mystérieux. Démarrer. Ah, ça me fait mal au cœur de plus entendre ce magnifique thème. Supprimer. Oui, cette sauvegarde, on s'en fout un peu. Donc oui, parce qu'il y a ma première sauvegarde. Alors, Oliver Plasma en mode noob. Bon, j'ai fait plusieurs sauvegardes parce que je compte faire un vidéo test, donc montrer plusieurs passages. C'est assez organisé, attention. Mais voilà, je me rends compte que cette sauvegarde où il n'y a que 1h26 de jeu, et ben, je suis rendu plus loin que la sauvegarde de 3h21. Et il me semble que mon perso est même plus fort aussi, niveau 17. Et alors que j'ai vraiment rushé. Hein. Celui-là, voilà, comme on peut le voir, 1h26 de jeu, j'ai vraiment rushé. J'ai fait le début du jeu parce que je connais très bien, en mode speedrun, et puis la suite, j'ai rushé. Et puis je me rends compte que le jeu est quand même, surtout par la suite, est plus simple. Et puis même, au début, il est pas très dur non plus, quand on le connaît. C'est un peu le problème du mode normal. Mais bon, ça, on va plus en parler lors du vidéo test. Ouais. On va plus en parler pendant le vidéo test. Futur vidéo test. Alors, comment on écrit déjà le nom? Voilà, c'est comme ça. Voilà. Voilà, on passe marre. Voilà, on le met en bas, de toute façon. Et voilà, parce qu'on a normal, difficile, cauchemar. On est obligé de prendre normal. Alors, les temps de chargement sont très rapides, parce qu'on est sur PC, évidemment. Hop. Voilà, équipement direct. Il y a un peu trop de dialogue dans le jeu. Je préfère prendre les bottes au début. Hop, donc directement on a notre premier pouvoir, parce qu'en fait Myriam, elle a un peu le pouvoir du descendant de Dracula, c'est-à-dire Somacruz, c'est qu'elle, elle peut choper les âmes, entre guillemets, alors c'est les espèces de fragments qu'on a vu de diamants, choper les âmes de ses adversaires et du coup récupérer leur pouvoir. Comme dans Castlevania, Dawn of Sorrow. Même l'épisode d'avant, Aria of Sorrow. Oh voilà, ça c'est une technique pour aller un peu plus vite, faire des glissades plein de fois. Classique. Hop. C'est par là. Hop, on s'en fiche un petit peu des ennemis. Oh, ce fail, d'habitude je le tue direct lui. Ah, ça va pas commencer direct les fails. Voilà, là on a récupéré le pouvoir de l'espèce de canon là qu'on a détruit. Hop. Qui nous a touché avant, ce fourbe. La musique qu'on entend en fond est magnifique. Voilà, déjà niveau supérieur. Hop. Hop, nickel, épée courte. Alors il me semble que c'est juste un pistolet dans l'autre coffre, donc on s'en fout un peu. Ah oui, bah ça c'est une salle de sauvegarde. Hop. Salle de sauvegarde toujours en rouge, hein, évidemment. Si vous connaissez bien. Excusez-moi. Ah, c'est compliqué. J'éternue tout le temps en ce moment.
Bah, moi je suis comme ça, je suis enrhumé quand il fait chaud. C'est très logique. Ça passe. Hop, hop. Bon, je prends ça, même si ça sert pas à grand chose. Hop. Voilà, donc en gros, on contrôle Myriam, qui est juste une humaine, et qui a des pouvoirs surnaturels, car elle a assisté, elle a assisté, à une expérience très dangereuse. Il me semble, si j'ai bien compris. Qui est de planter un je sais plus trop quoi, enfin... C'est un espèce de rituel là avec un diamant ou je sais pas trop quoi là. Voilà, là les croyances c'est un peu des timbrés. Hop. Et donc du coup, pour la petite histoire, voilà, tous les humains qui ont fait cette expérience sont morts. Sauf deux humains, donc Myriam et Gebel. Gebel, c'est un personnage qui ressemble forcément à Alucard. Voilà, il va vous faire penser à Alucard, on va le voir. Voilà, c'est lui. Bon, je passe la cinématique. Hop, donc on va utiliser la Claymore, parce que c'est l'épée la plus puissante du début. Hop. Attention au tentacule. Ce boss est pas si simple que ça, mais bon, après, quand on connaît ses patterns et qu'on sait où se mettre à peu près, là je viens de me faire toucher par Cénibar, c'est magnifique. Faut croire que ça fait mal. Je pense qu'on a pas mal bourré là. On va faire un peu de mana. Un peu de mana, ça fait mal ça. Ouais, c'est pas grave. Oh purée, pourquoi il a popé là lui? Oh, c'est la première fois qu'il pop là. C'est la première fois qu'il pop là, ce con. On va prendre ça. Ah là 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 là, il va nous attaquer. Oh, mais je peux pas sauter là. Voilà, parfait. J'ai eu de la chance. Ah, la RNG n'a pas trop été avec moi là. Il a fait ses ennemis là, elle a invoqué ses ennemis plein de fois. Et puis ça arrive que une ou deux fois. Un raclé de tentacules, donc c'est une attaque qu'on a découvert. Hop, j'ai passé la cinématique, même si elle était assez stylée là quand il monte le titre. Mais bon. Alors, on essaye de rendre le truc le plus pro possible, hein, attention. On essaye d'aller vite. Voilà, hop, un petit ennemi. Ceux-là, on peut les battre en deux coups maintenant, il me semble. Ah, vu qu'on a pas mal levelé. Hop. Donc là, j'ai le pouvoir de balancer des os. Sauf que c'est pas ouf comme attaque. Hop, il y a une petite fille qui se fait attaquer par un zombie. Enfin, si on peut appeler ça un zombie. Bon, j'avoue que là, les ennemis, ils ressemblent pas à grand-chose, là. Hop, start. Hop, et puis voilà. J'ai été assez surpris pour la version PS4. En tout cas, quand j'ai vu la version PS4 de chez Hooper. Ah merde! Ah, j'ai pas pris la première potion! Oh là là, mais quel noob! J'ai oublié de prendre la première potion. Normalement, on a 4 potions. Et du coup, j'en ai que 3 là. Ça va être chaud contre. Enfin bon, vous verrez. Contre le deuxième boss. Il est assez chaud le deuxième boss. Prends ça. Hop, elle nous donne la clé du village, parfait. Hop. Oh. Hop. Donc là, on va par là.
Vous allez voir pourquoi, parce que là, on... Hop, on débloque une salle de TP. Ça, c'est très intéressant. Alors, ça nous servira peut-être pas, puisque je compte pas aller très loin dans le jeu. On fait le début comme ça, en mode... Alors là, on voit le gain un peu. En mode speedrun, de débutant. Hop. Faut que j'aille là. Ah, et j'ai... Oh, purée, j'ai oublié. Oh là là, j'ai oublié de mettre les... ça avant le boss. Ah bah oui. Ah, ce fail. Ah oui, oui, c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal contre le boss. Ah, bon, on va dire que c'était le mode difficile. Au moins, c'était stylé. Ah mais... Il y a deux fois que je me plante. Vous allez voir ce que ça a fait. Voilà. C'est qu'on détruit, en fait, le décor en dessous, parce qu'il est un peu... il est un peu abîmé. Le sol. Et du coup, on va pouvoir passer comme ça. On va pouvoir passer par le sous-sol. Et pourquoi... Pourquoi je touche pas ce rat à la con là? Bon, tant pis. Et d'habitude, lui, il se met debout. Il s'est pas mis debout, là, cet enfoiré. Y a pas de chance. Oui, parce que les rats peuvent marcher dans ce jeu. C'est très logique. Ils peuvent marcher à deux pattes. Sur deux pattes. Comme nous. Ah, où ils font les beaux, je ne sais pas. Entrée. Ouais, et donc j'étais assez surpris dans la version PS4 en tout cas. La version Switch, à ce qui paraît, c'est encore pire. Les temps de chargement. Il y en a énormément. Alors que moi, sur PC, j'en ai pas. Oh. Chauve-souris, bon. C'est pas génial l'attaque des chauves-souris. Hein. Ça peut être bien au début du jeu et après, ça s'épuise vite. Hein. Bon alors contre lui par contre je ne vois pas trop quoi faire à part ça. Parce que c'est un sac à HP, donc je suis obligé d'user des PM. Oh, ce passage là il est chiant. On va pas mal se faire toucher là. Et si je gère. Hop, oh, ça va. Deux fois. Hop, un autre pouvoir. Alors, quand on récupère plusieurs fois le même pouvoir, d'après le jeu, c'est un peu plus puissant. J'ai pas trop vu la différence, mais... Peut-être. Je suis à 180 PV, on est plutôt dans la norme. Je vais bientôt leveler, là. Hop, plus qu'un ennemi, je pense. Celui-là... Ah, oh, j'ai fait n'importe. Ah non, pas encore. Voilà. Un petit level up. Hop là, on voit le vieux Alfred. Je passe la cinématique. Je trouve qu'ils ont pas mal de charisme, les personnages. Hein. Un peu comme tous les Castlevania, vous me direz. Ah, purée, la portée de merde. Le mouvement de recul est très important aussi. Sauf que là, voilà, dans celui-là... Autant dans Castlevania, il faut faire des mouvements de recul pour aller plus vite. Là, il faut faire des glissades. Ouais, donc faut bourrer. Ah, il est chiant. Hein. Il est chiant, le cochon. C'est un sac à PV. Donc voilà, là on est sur PC, hein, ça tourne en 160 images par seconde d'après le logiciel de capture. Et c'est vrai que c'est très fluide. Et parce que du coup maintenant j'ai mon écran qui fait du 180 images par seconde maximum. Ou 144 si on l'overclock pas. Pourtant je l'ai pas overclocké et pourtant bah, il affiche du 180 dans ce jeu là des fois. C'est assez étonnant. Oh bon, 144, 180, c'est à peu près pareil. Hein. Et 30, j'ai vraiment du mal, mais quand on est à 60 et au-dessus des 60, pour moi c'est très fluide. Mais c'est vrai que si, je vois quand même une nette différence entre du 60 images et du 144. Surtout dans ce genre de jeu.
où le scrolling il bouge beaucoup. Voilà. 5 APV ceux-là, donc je préfère le faire tomber. Hop, attention au chien. On va le bourrer lui. Et on va le bourrer pas mal de fois. J'espère que je vais avoir de la chance au niveau de la loterie là, parce que là il faut de la chance aussi hein, si on veut speedrunner un Metroid. Metroidvania, un minimum RPG, il faut toujours avoir de la chance. Parce que là, je cherche à avoir le pouvoir de l'archer. Et l'archer, il fait chier. Hein. Oh, level up. Un petit level up, c'est déjà bien. Et on remarque une nette différence hein, avec les level up. Bon, alors oui, là, je fais toujours 6, mais avec une arme, ça sera mieux. Faut bien le bourrer. Toujours quand même. Voilà, il est pénible, hein. Il veut pas me lâcher son truc. Son pouvoir. Ah, parce que là c'est un endroit parfait pour choper son pouvoir vu qu'on le voit au tout début d'une salle de sauvegarde. Voilà, c'est parfait. Il le lâche forcément au bout d'un moment. C'est aléatoire mais bon. C'est pas si rare que ça. Hein. J'ai pas eu énormément de chance, on va dire. Voilà. Donc là, faut gérer. Hop. Alors, est-ce que j'ai l'arme qu'il faut? Ah, j'ai qu'une épée courte. Ah, furie. On fait combien de dégâts? Ouais, 10. Oh. Et j'ai qu'une épée courte. C'est bof. Donc là, on va être contre Zangetsu. Oh. Qui est un boss assez chaud. Qui est assez vénère. Ouais. Pour l'instant ça se passe plutôt. J'allais dire pour l'instant ça se passe plutôt bien. J'ai oublié de mettre mon pouvoir, c'est magnifique. Un petit fail. C'est flèche véritable. Ah purée. Vous allez voir que. Ah putain, je me suis viandé, mais normalement ça fait des dégâts de ouf. Hop, voilà, 21, 21, 21, ça fait mal. Ah purée de fiche. Ah, il est pas. C'est pas mal. Ah. Ah, j'ai plus de pouvoir. Fais chier. Le fichtre. Oh là là, il attaque vers le haut. Ah, je crois que ça allait passer. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Oh, ça gère pas là. Oh, ça fait n'importe quoi de fichtre. Ah, mais là, j'ai pas eu de la chance là au niveau de le. Pas du RNG, mais je veux dire. Des items. Purée. Comment ça se fait que j'ai pas l'épée? J'ai pas l'épée longue. Ah, ou alors elle était au début dans le bateau. Ouais, mais l'épée longue, on peut la choper aussi par un mob, mais bon. Quand on a de la chance. Par le gros, là, l'espèce de lion, là. Hop. Il y a un sac à HP. Qui prend tout l'écran, presque. De tout à l'heure. Ouh, oh purée de fiche, il fait ça direct. Ah, faut toujours faire la glissade quand il fait ça. Ah super, j'ai pas le pouvoir. J'aurais dû me préparer avant. Ah mais au niveau RNG là, il est chiant. Normalement il fait le coup voilà comme ça. Putain, il le fait beaucoup ça. Ça c'est sa pire attaque. Quand il saute là, elle est hyper chiante à esquiver. Oh purée le fichtre. Ouais bon.
Oh le fichtre. Bon, ça va être... on va passer, voilà, à cette deuxième phase. Ça c'est parfait. Faut bien regarder ce qu'il fait. Hop. Bon, j'avoue, je suis désolé si je parle pas beaucoup, mais là c'est compliqué. Ah, ça va exploser, hop. Ah, après il fait quoi là? Ah, c'est bon. Ah, mais. Ah, j'ai plus de mana! Déjà? C'est abusé ça. Oh, de fiche trop. Oh, comme ça. Ah, elle voulait pas relancer. Attends, c'est long à relancer les flèches. Voilà, parfait. Oh, c'est nickel, le fiche. Nickel. Bon, deuxième try. Hein. On l'a eu au deuxième try. C'est pas ouf, mais bon. Ah, ils sont pénibles, ceux-là. Alors, je sais pas du tout ce qu'ils font comme attaque. Parce que j'ai jamais eu brouillard. Lancer un rayon de lame rotative dans la direction indiquée. Oh. Ça a pas l'air fameux. Le fiche. Oh bah lui il est hyper chiant quand il s'y met, voilà. Hop, ça c'est bon. Voilà, bon, je garde mon attaque spéciale parce que là j'en aurai besoin pour le prochain mob. Pour celui-là. Parce qu'il est vraiment pénible. Quoi, il est toujours pas mort? Putain. Là, j'ai vraiment pas de chance, là. D'habitude, il meurt, là. Quand je fais ça, j'étais pas assez haut level. Peut-être que maintenant, je le one-shot avec cette attaque. Et normalement, je le one-shot. Non, c'est pas génial, hein, cette run. Ah, là, voilà, je le one-shot. Allez, hop. On va aller un peu plus loin que Zangetsu. Je pense que un peu après le prochain boss, ça sera fini. Ah, c'est pas très plaisir. Alors oui, on peut aller à gauche. Oh, attendez, je vais me le faire. Hop, on peut aller à gauche parce que à gauche il y a un truc pas mal. Ah purée. Normalement, elle est plus vers le haut. Elle est pénible. Ah voilà. Ah parce que elle, c'est vraiment. Elle a autant de vie que Zangetsu, limite. Hein. C'est un gros sac à HP, hein, cet ennemi. C'est pour ça que je l'évite. En tout cas, pour l'instant, c'est pas possible. Au niveau actuel, c'est pas possible. Normalement, voilà, on a ceci. PV max plus, très important. Bon, ça, vite fait. Voilà, ça, c'est pour avoir les raccourcis, mais bon. Ça peut être pas mal quand on speedrun, enfin après. Il me semble que c'est avec quel bouton déjà les raccourcis. Ah, je sais plus. Les deux. Je sais même plus comment on fait les raccourcis, c'est magnifique. Fail. Oh, c'était ennemi. Ah, je peux pas passer. Voilà, c'est parfait, allez hop, je passe. Bon, je vais me soigner. Ça sera plus simple. Il y a des ennemis partout en plus là. Ah, mais le chien qui s'y fout là. Oh! Ça va fail. Ça va fail. Oh, ce. Oup, 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 oup. Cette chance. Voilà, sauvegardons.
Quoi, ça a pas tout soigné? Ouais, parce que j'avais encore la malédiction. Dure longtemps. Oh purée, mais quoi? C'est quoi cette physique? Normalement, je devais l'envoyer à droite. C'est un peu n'importe quoi, là. Ok, normalement, lui, il est pas là aussitôt. Oh, je passe par là. Hop. Oh, purée. Bon, ça, c'est bien. C'est pour faire un peu plus de dégâts avec la rapière. Ça peut être bien. Ah, des dagues aussi. Si j'avoue que j'utilise jamais de dagues. Mais dans ma première partie, j'utilisais beaucoup la rapière. C'est une arme où on attaque très rapidement. Bien plus rapidement que l'épée que j'ai actuellement. Mais par contre, on fait moins de dégâts. Hein. Donc là, voilà, on vient de tuer un petit chaton tout rond. C'est triste. Ah, toujours aller à droite, toujours aller à droite. C'est pas trop compliqué là. À part avec ses ennemis, mais. Ah, ça passe. Ah, purée. Voilà. Hop là, il y a une épée au milieu, faut faire gaffe. Parfait, on va combattre le boss bientôt, le prochain boss. J'espère qu'il n'a pas bugué, mais il bug à chaque fois que je le combat. Ce boss-là, enfin vous allez voir. Est-ce qu'il va bugger cette fois? Donc il arrive. Il fait le zouave. Là je le bourre. Ah bah il bug. Ah bah il bug. Ah c'est génial. Bon bah, on va le bourrer. C'est pas le temps. Alors voilà, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ce boss-là, il fait de la merde. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est un bug de ma version, c'est quoi ça? Si j'ai vraiment pas eu de chance, sur le coup, il faut que je recombatte le boss. Peut-être qu'en recombattant, bah, ça va être bon. Ça sera débloqué, mais non. Non, c'est pareil. Tout vous dire, je l'ai combattu... Là, c'est la cinquième fois que je le combat, du coup. Et ouais, le boss, il est pas... Elle est toujours buggée, quoi. Ouais, mais ça vient que de ma version, hein, parce que la version PS4 marche nickel. La version Switch, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, la PS4 marche nickel. Donc moi, je me dis, du moment que la PS4 marche. Les autres versions, ça doit être pareil, normalement. C'est que la version PC qui fait de la merde. Ah, péché, Master Rage, comme disais. Armure croisée. Donc voilà, là, c'est très important d'aller là, parce qu'en fait, je viens de débloquer un familier qui va me protéger, et qui est bien cheaté. Donc est-ce que quand de béni, on peut pas avoir un meilleur truc? Non, c'est tout ce que j'ai. Et voilà, le familier qui nous suit, il est assez puissant. Il va nous aider, il va grandement nous aider. C'est pas comme le familier qu'on avait dans... Enfin, les familiers qu'on avait dans Symphony of the Night, qui servaient presque à rien à part la fée qui te soignait. Mais sinon, c'était un peu de la merde. Hein. Bon, même si là, il a pas trop attaqué. D'habitude, il attaque direct. Il esquive aussi. Hein. Enfin, il contre les attaques. Oh mais de Zeus, pourquoi il a attaqué ici? N'importe quoi cet ennemi. J'ai plus d'armes. Voilà, du coup ça sert à rien de rester ici. Pour revenir à une zone. Enfin vous allez voir. Voilà, il a géré. Mais c'est marrant, il est un peu plus mou que d'habitude, là, notre compagnon. C'est peut-être... Peut-être qu'il est timide, hein, quand on capture, voilà. Il est timide, le gars.
C'est une arme sensible. Purée. Il n'aime pas les caméras. Les projecteurs. Oh, c'est un peu à l'arrache. Voilà. Bah, j'avoue que j'ai sauvegardé que quand il y avait Zangetsu. Faudrait sauvegarder un petit peu après aussi. Mais je sauvegarde surtout à Zangetsu parce que c'est le boss le plus dur. Le boss d'après, la main, bah, c'est de la rigolade. Hein. Vous avez vu ce que c'était, ce truc. Ah, et puis il a pas l'air bien dur, même aussi en mode sans bug. Hein. Comparé à Zangetsu, c'est un peu de la rigolade, quoi. Ouais, donc ça, c'est un peu le point faible du jeu, c'est que j'ai l'impression que la difficulté est pas très bien dosée. Entre les différents boss. Ah, j'avais oublié ça, purée de fiche. Il y avait le PV max plus ici. Un max plus. Alors, c'est où qu'il y a une phase de téléportation Ah, lui, c'est le... Ok. Je vois très bien ce que c'est. Faut lui donner la transpère, après on gagne un niveau. Normalement. Même pas. Ah bah ça a dû donner de l'XP sans doute. Ah mais alors là, la salle de téléportation, je sais pas où elle est. Sauf qu'on va y aller à pied. Bon, c'est pas si loin que ça. Ah, level up. On est toujours content quand on a level up. Ouais, bon voilà, c'est juste ici. Pas besoin de salle de téléportation. Non. Ah, il bourre pas mal, hein, il est bien. Bon, là, il a pas su le protéger, mais il est pas mal quand même. Ce familier. Voilà, on descend. Nickel. Hop. On va prendre le truc. On va le faire descendre là. Hop. Voilà, on a une belle vue. C'est parfait. Un zombie qui nous aide, hein. Tout à fait. Autant dans Castlevania, Symphony of the Night, il y avait une logique. Là, il n'y en a pas trop. Oui, parce que dans Symphony of the Night, évidemment, on contrôle Alucard. Et c'est le fils du maître du château, évidemment. Oh, on peut passer direct là. Oh, je crois que ça allait passer. De toute façon, au-dessus, il n'y a pas grand-chose. Hop. Ah, et aussi, quand on lit des bouquins... Ah tiens, il y a Shovel Knight. Alors, quand on lit les bouquins... sur la version PC, il y a un bouquin en particulier qui est dans le village du début du jeu. Et bien il fait planter le jeu. Voilà. A chaque fois qu'on le lit, il plante le jeu. C'est magnifique. Sinon, à part ça, j'ai pas eu de gros soucis. Hein. Et à part le boss aussi, le boss buggé. Après, bon, ça c'est plus un bug. Attends, fichtre. Ouais, elle est en bas plutôt. Ah, parce que je me disais qu'il y avait une salle de sauvegarde, mais bon, tant pis, on va en trouver une là-bas, de toute façon, la zone, elle est pas très dure, là. Alors, on... normalement, là, c'est la zone du dragon, voilà, tour du dragon à deux têtes. On va aller jusqu'ici, parce que là, on est qu'à 35 minutes, on peut encore avancer. Oh, ça se passe quand même plutôt bien, on va dire, c'est pas très propre non plus, hein, mais bon, c'est... J'ai la flemme de faire la vidéo en plusieurs fois, là, c'est la première fois que je tourne la vidéo.
Vous pouvez ne pas me croire, mais... Oh, fichtre. Peut-être faire un jour en live, runner comme ça le jeu. Peut-être. Alors au-dessus, je sais plus ce que c'était, mais je crois que c'était pas ouf. Enfin, on va quand même y aller. J'avoue qu'on y va plus tranquillement maintenant, je connais plus trop là. Même si j'ai déjà fait, bon, je connais pas par cœur. Ah, c'est des sacs à HP eux, par contre. Au bout d'un moment, on va trouver un fouet enflammé, mais je ne sais plus où. La musique en fond est vraiment bien. De toute façon, l'OST, hein, généralement. C'est du Castlevania. Donc c'est forcément bien. Bon, il est fourbe celui-là. Je sais pas qui c'est ce développeur, mais il est fourbe. Hyper ventilateur, je m'en fous un peu. Partisan. Ouais, c'est une arme aussi, ça, elle est pas mal. Enfin, elle peut être pas mal, mais elle est assez lente. Donc bon. Elle fait plus de dégâts que mon épée, mais bon, elle est lente. On va voir ce que ça donne, mais c'est pas ouf. Ah, 22 quand même. Voyons. Ah, 19. Si, allez, on va prendre ça. Normalement. Voilà. Là, il y a Jebel. Ah, par contre, les cinématiques, elles sont longues, hein, même en faisant tout le temps start. Il y a de la baston, attention. Le fichtre. Bon, il va se casser, là, vraiment, voilà. Ouais, c'est bon. Mais ouais, le jeu est très bien optimisé, par contre, ouais, parce que... Là, il tourne en 4K, 160 FPS, c'est propre. Voilà, là, on va sauvegarder. Bon, je vous avoue que ça va pas tout être pareil avec mon PC portable quand je ferai le live, parce que oui, quand je ferai le live, ça se passera sur mon PC portable. Ah non, parce que c'est... Je ferai pas le live chez moi. C'est trop catastrophique. Ça bug tout le temps, c'est moche. Voilà, c'est pas possible. J'ai trouvé un endroit parfait. Pour l'instant. Il y a la fibre là-bas. Bonne qualité. Après c'est privé, hein, je vais pas vous dire où c'est. Hop, compagnie, bienvenue. Voilà, donc un nouveau pouvoir. Ouais, bon. On peut pas monter là-haut. Voilà, donc on s'occupe de ces espèces de yandere là. Et... Hop. C'est pas ici le fouet? Non, biscuit. Ah, je sais pas où je chope le super fouet de la mort. Ah. Plutôt monter par là. Ah purée, c'est pas encore... Putain, on dirait... Attends, c'était... comment il s'appelle? Noxus, là, dans Final Fantasy 15. Exactement la même tête. Noctis, c'est ça. Noctis. Bah là aussi la musique est vachement bien. Hop. Et puis moi qui suis très musique classique aussi. Ah, je vais plutôt aller par là. Ah. Je suis très musique classique et je suis très musique symphonique. Ah oui, je suis comme ça, je suis Plout. Ah, je suis Plout. Non, moi le rap c'est pas possible. C'est une insulte à la musique. En plus c'est vrai. Oh, je ne troll pas. Ça sent les dislikes là.
Oh. Ok, bah ça on s'en fiche un peu pour l'instant. On va passer par là. On va pousser ça. Comme ça, lui, on peut le bourrer. C'est pas mal ça comme technique. Par contre, c'est vraiment... C'est un sac HP, quoi. Là, on va bientôt récupérer le double saut. Ah, parfait. Faut avancer comme ça. Le boss n'est pas loin. Il n'est pas très difficile. Il n'est pas buggé. Donc c'est bien. Enfin, en tout cas, il n'était pas buggé la première fois. Aïe, bah c'est elle qu'on le fouet. Ah, mais c'est elle qui donne le fouet, du coup. Ah, mais là, j'ai pas le fouet. Et j'ai pas le fouet enflammé. Ah, j'ai pas de chance. La première fois que j'ai fait le jeu, en fait, j'ai eu énormément de chance. Je suis tombé direct sur le fouet. Faut peut-être monter. Ah ouais, c'est parfait. On rencontre Alucard, voilà. Alors, hop, tome de puissance, très bien. Ça nous permet d'avoir une meilleure attaque. C'est nickel. À gauche, ouais, ça doit être le boss, donc à droite, top. 1h10. Ah bah non, ça doit être l'heure, ok. C'est pas le temps, parce qu'on est à 42 minutes avec action. Voici le boss. C'est un boss de... du jeu... du premier épisode de Bloodstained. Hein, qui fait très NES. Ah. Donc là, il est un peu plus chaud, alors que sur NES, il est quand même assez simple. Mais bon, il est pas non plus très dur. Hein. Moi, je l'avais first try, hein, j'ai jamais été mort contre lui, donc... Alors là, ça devrait bien se passer, même si avant j'avais le fouet, c'était un peu mieux que ça. Alors ça reste pas mal, quand même, cette arme. Elle me tombe dessus. On le bourre bien. Ah purée, cette attaque là, inesquivable quoi. Ah, en plus il le fait. Ah si, en fait faut faire des glissades. Ah là là, il me reste pas beaucoup de vie. Ça gère. Nickel. Voilà, j'ai le double saut. Donne-moi le double saut là, donne-moi le double saut. C'est parfait ça. Voilà, un double saut. Un double saut. Bien gracieux. Voilà. C'est beau. Alors on peut pas aller à droite, donc faut passer par là. Faut se faire la yandere là. Hop. Ou la waifu, je sais pas. Ah, tous ces termes japonais. Oh, attention. Voilà. Alors, je vous avoue que je fais mon noob... Ah, purée. Je fais mon noob du Jap, là. Et pourquoi ça descend pas, ça? Hein? What? T'es obligé d'aller là-haut? Ah, ça, t'es obligé de pousser ça. C'est ça. Petit fail. Oh, ça va, c'est excusable. Donc, alors, faut aller où maintenant? Très bien. J'ai même pas utilisé d'objet contre ce boss-là, c'est parfait ça. Par contre, oui, j'ai pas le fouet, donc je fais pas autant de dégâts, mais... Oh, 27 quand même.
Avec le fouet, j'avoue, je faisais 40 plus 10 quand même. Et j'étais niveau 16, non, niveau 15. Ah, on va descendre par là. Non, là, ça sert à rien, c'est... Ça sert à rien, ici. Faut pas y aller. Oh, il se protège, c'est nouveau, ça. Il s'est jamais protégé avant. C'est la première fois qu'il se protège, lui. Purée. Ah, mais... C'est pas possible. C'est la première fois que je le vois se protéger, celui-là. C'est incroyable. Depuis quand il peut se protéger, lui? Là, on peut pas monter. Ah, mais là, on est bloqué. Ah, je sais. Passer par là. Voilà, donc lui, il veut nous faire un câlin. Et je me souviens, voilà, c'est ça, il y a un passage ici. Ah, lui, on peut le tuer rapidement, maintenant. Espèce de Shovel Knight, là. Ça, il a vraiment la même gueule que Shovel Knight, c'est incroyable. Enfin, c'est la même armure, quoi. Sauf qu'elle est jaune, là. Ouais, faut continuer. Ouh, 41. Puis on fait autant de dégâts contre celui-là que qu'avec le fouet. À peu près. Enfin, sauf qu'on a un bonus de 5 en plus contre lui, à peu près. 5-10. En plus, parce que ça fait des dégâts de feu. Et bon, sinon... Bon, ça sert à rien d'aller là. Bon, allez, tuons les développeurs, là. Ah, ça... Je sais pas, ça fait pas réaliste. On dirait des tableaux qui viennent des développeurs, en fait. Ça. Et je trouve que ça le fait pas trop, quoi, au niveau immersion. Ils auraient dû prendre, je sais pas, moi, des... Ils auraient dû faire des designs plus... travaillés, quoi. Ah, c'est un dessin réaliste, quoi. C'est limite une photo. Je sais pas, ça fait bizarre sur... un jeu qui se passe... je sais pas, moi, ça se passe quand? Ça se passe au... 18e siècle, il me semble. Fin 18e siècle, peut-être. Ou plutôt fin 19e siècle. Parce que ça parle de photo quand même, donc... Parce que oui, il y a un PNJ qui va pouvoir nous prendre en photo. Pourquoi les photos? Moi j'en sais rien, c'était quand ça? La photographie. Oh, c'était ce qu'il... Le coffre, il me semble qu'il est pas mal quand même, non? Le coffre en bas. Alors, on peut pas trop y aller. Non, faut avoir un pouvoir. Faut avoir un truc. Pour l'instant, je peux pas y aller. Ça, on s'en fiche. Là, il y a pas mal de crapauds. Ah, c'est vachement efficace contre les crapauds, ça. Crapauds toxiques. Au moins notre résistance au poison. Qu'est-ce qu'on a là en équipement? Ouais, c'est mieux de garder hard et dague. Ah, quoique. Non, vu que j'ai pas de dague. Ah, mais il se protège tout le temps là. Eh, c'est abusé. Ah, en fait, quand on utilise le fouet, peut-être qu'il est en train de cramer et du coup il peut pas se protéger. Donc c'est pour ça en fait. Ah non, mais le fouet il est vachement bien. Vachement cheaté. Il faut aller à gauche. À droite, ça sert à rien. Hop. Là, il y a peut-être un truc. Ouais, bon, pâtisserie, bof. C'est pas trop le moment de manger les croissants, quoi. Ouais. Enfin, d'aller à la boulangerie, quoi. Hop.
Là on va choper une arme qui est pas mal, mais je sais pas si elle est vraiment mieux. Elle fait pas énormément de dégâts, hein, parce que... Alors là, quand on voit ça, on se dit purée 49, mais c'est énorme. Donc attendez, on va toucher un ennemi. Voilà, alors, lui, je lui fais 41, et on va voir que c'est pas incroyable. 46. Franchement, à quoi ça sert? Alors finalement, j'ai l'impression que ce bonus, il agit. Ce bonus de dégâts là, qu'on fait, qui est incroyable. Hein, en tout cas, sur le papier, ça a l'air incroyable. Et bien, en fait, je pense que la vraie puissance de l'arme, c'est quand on attend et qu'elle fait de la vapeur. Du coup, c'est un peu trop long. Et moi, en plus, je suis jamais trop adepte de ce genre d'arme. Je suis pas trop un bourrin, moi. Moi, je le fais avec finesse. Du coup... Voilà. Ah là, là c'est le créateur de Castlevania là qu'on voit sur l'affiche, je sais pas, sur le tableau. Alors voilà. Il est content, il s'est mis dessus. Donc c'est peut-être pas lui. Ah il lui ressemble mais je pense pas que ce soit lui. Émeraude. Ah, je sais pas, ces tableaux ils font bizarre quand même. Ça fait trop moderne. C'est ça, on dirait qu'ils ont été pris en 2015 quoi. C'était... En 2019. Ça fait pas vieux tableau. Un peu comme Myriam, je trouve que. Voilà. Son accoutrement, on dirait. On dirait un cosplay un peu, voilà. Après, on s'y habitue, j'avoue. Aïe, j'avoue qu'on s'y habitue. Mais bon, avouons-le, elle a du charme. Hop. Voilà, faudrait peut-être sauvegarder, c'est peut-être mieux. Sauvegarde à l'arrache. Pour tout vous dire, là, normalement, je devrais faire le montage de Super LoL Saga épisode 10, mais j'ai la flemme. Hop. Ah, et puis du speedrun, il y en a pas tout le temps sur la chaîne. Alors, voilà, on voit pas très bien sur la carte, mais je suis à droite. Faudrait... Je sais même plus où il est le boss. Hein. Là, c'est un peu en mode freestyle que je fais. Il est quelque part par là, hein, peut-être en bas. Pas plein de fois bas. Non, pas là. Non, là, on connaît. Bon, il doit être tout en haut, quelque part, tout en haut. Ou à droite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je sais. En regardant la carte, j'ai su. Il est en bas. Là. Il y a d'autres ennemis. C'est un passage ou quoi à droite maintenant? Une grande. Quoi? La grande potion elle a repopé ou. Ah non! Non, je suis pas passé à cet endroit là. Il y a quand même deux grandes potions ici. On est plutôt bien équipé hein, maintenant. Et voilà, le dragon. On va se terminer sur le dragon, tiens. Ce sera magnifique. Hein. Ah, le fish. Voilà, on le bourre bien au début. Quand on a le temps, voilà, c'est parfait. Donc voilà, au début, il fait ça. Les patterns sont assez simples à apprendre quand même. Bon, là, j'arrive pas à le toucher, c'est magnifique. Après, voilà, les boss, ils ont l'air simples hein, quand même. Bon, alors voilà, je me suis fait défoncer là, mais. Ah, faut sauter. Ah, ils avancent. Là, attention. Ça
Ça doit faire un bal de bruit, ça. Ah, oh, mais normalement ça passait. Ah, le fichtre. Pourquoi ça m'a touché là? Je me suis baissé pourtant. Ah, fallait être vraiment pile poil au milieu quoi. Purée. Et... se faire toucher par ça, c'est un peu naze. Ah là là, c'est la galère. Plus 300, j'ai l'impression que j'ai utilisé une grande potion là. Sans le faire exprès, en appuyant trop vite. Bon, c'est pas grave. Bon là il est bientôt mort. Quand même pas facile celui-là, obligé d'utiliser une potion. Ah c'est ça. Ah et bah avec le fouet je l'avais tué là. Il doit être quasiment mort là. Il avait pas pu faire cette phase là. Ah purée, c'est ça là, j'ai pas eu le fouet. Ah purée, le fichtre. Oh mais ils se mettent loin là. Ah voilà, c'est la fin. Parfait. Boum. Souffle infernal. C'est assez puissant mais ça coûte énormément de mana. De toute façon, la plupart des attaques des boss utilisent énormément de mana, un peu comme un Dark Souls, hein, j'ai envie de dire. Dans un Dark Souls, quand on a une arme de boss, on perd beaucoup de temps voilà, à l'attaque. C'est souvent lent, et là aussi c'est lent à se lancer, et puis non seulement c'est lent à se lancer, mais en plus, ça demande beaucoup de mana. Et c'est pas si ouf que ça. Un peu comme dans l'arme des boss de Dark Souls, voilà. Ce qui sert à rien. Donc invoquer des esprits frappeurs pour créer une barrière protectrice. Attendez, c'est le truc des loups ça, non? C'est pas ça? Attendez, c'est où que j'ai... le souffle infernal, voilà. Je vais vous montrer ce que c'est. Ah, j'ai pas de mana, c'est magnifique. On va choper de la mana. Voilà, l'ascenseur. Où est-ce qu'on pourrait choper de la mana là-dedans? Ouf. Une salle de téléport, je pense, en haut à gauche. Et après, on pourra se quitter après cette salle de téléport. Bon, en tout cas, bon, j'avoue que c'est fait un peu à la va-vite. Il n'y a pas trop eu de préparation. Mais bon, tout ce qui est artisanal, c'est souvent mieux. Ça fait plus vrai. Mais j'avoue que j'aurais pu un peu me perfectionner. Ah, voilà, parfait. Voilà, très important ça. Faut pas zapper les salles de téléport. Hein. Les salles de TP. On va pouvoir faire le pouvoir, tiens, contre des ennemis à deux balles, là. Hop. Voilà, ça fait 65 à chaque coup. Hein. Très très puissant. Très 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 puissant. Enfin voilà, en une heure, on a pu faire quand même pas mal de choses, vous voyez. Ça demande pas non plus énormément de talent. Parce que bon, vous avez bien vu que c'est quand même assez permissif hein, comme jeu. Si on connaît un peu les patterns, voilà, et puis même le dragon la première fois que j'ai combattu, j'étais un peu comme là, quoi. J'avais utilisé aussi une potion. Une grande potion. Bon là j'avoue, c'était une petite potion plus une grande potion. Ah là 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 là, c'est compliqué. Mais voilà, globalement, je suis plutôt content, on va dire, de ma petite run comme ça à l'arrache. Bon, je compte pas faire la suite directement, hein. De toute façon, la prochaine vidéo sur ce jeu, ça va être le vidéo test. Voilà, quand je le finirai, quand je le torcherai bien comme il faut. Et que je ferai le New Game Plus en mode cauchemar directement. Je préfère pas faire le mode difficile, à ce qui paraît le mode difficile, pas très dur aussi.
Faudrait faire direct en mode cauchemar. Et là, là, on a notre challenge. Voilà, et en tout cas, pour ce qui est du speedrun, je pense... bah, de toute façon... à la base, je voulais faire Freedom Planet après Bloodstained Curse of the Moon. Mais finalement, j'ai plus envie de faire ce Bloodstained Ritual of the Night après le Curse of the Moon. Juste après. Après, voilà, c'est pas non plus du jour au lendemain. J'ai beaucoup de projets à droite à gauche. Plus le boulot, voilà. On va dire que ça va avancer tranquillement, doucement. Les speedruns, c'est pas pour tout de suite. Voilà, comme ça vous avez pu voir un petit aperçu de ma skill dans ce jeu. C'était pas si glorieux que ça. Mais après, je réfléchis et je pense... ce serait peut-être bien de speedrunner le jeu en live. Il faudrait que je trouve le temps. Les lives, c'est plus compliqué. Et si vraiment c'est pas possible, bah, je le ferai comme là. En commentant en fond. Parce que c'est plus sympa finalement de commenter en même temps. Puis le jeu il a pas l'air très compliqué non plus. Parce que Freedom Planet par exemple, c'est pas possible. Enfin, je peux pas le speedrunner en commentant en même temps. Parce que je dois toujours me concentrer. Donc il faut être hyper vif. Alors que là, bon, c'est plus tranquille on va dire. Faut plus se souvenir des lieux. Faut plus se souvenir du level design. Enfin du... pas du level design, plutôt du... de la cartographie. Plus ça. Comment est fait le château. Et Sonic... enfin Sonic Freedom Planet, c'est plus le level design. Qu'il faut connaître par cœur, de chez par cœur. Parce qu'on arrive très vite. Faut être très rapide. Donc ouais, Sonic Generation, quand je le speedrunnerai, je sais pas. Peut-être en commentant en même temps aussi. Je sais pas. Parce que lui, il est plus tranquille quand même, aussi. Ouais, c'est surtout qu'il est plus simple. Il demande des réflexes, mais pas de ouf. Et Freedom Planet, c'est pas possible, je peux pas commenter en même temps. Sinon, je serais sûr de faire plein d'erreurs. Ce sera peut-être pas mal pour vous, mais pour moi, voilà. Je commenterai, mais ça sera en off. J'aurai déjà fait le speedrun et je commenterai à côté. Voilà, donc voilà, sur ce, pas mal de répétitions. Je vous dis à la voyure pour de nouvelles aventures. Et l'épisode 10 de Super LOL Saga arrivera dans très peu de temps. Voilà. Sur ce, à la voyure.